Mesdames et Messieurs, cette année, malgré la crise que nous traversons, j'ai tenu à ce que nous puissions commémorer ensemble l'un des épisodes les plus marquants de notre histoire. Chaque année, le 10 mai, nous célébrons l'abolition de l'esclavage. Le 10 mai est un rendez-vous majeur de notre histoire, une histoire collective, une conscience nationale. Car ce jour porte la mémoire de millions de morts de millions de déportés arrachés à leurs terres. nous nous souvenons de leurs larmes, des violences qu'ils ont subies, de leurs souffrances, du sang qu'ils ont versé pour construire la prospérité de leurs maîtres. nous nous souvenons de la cruauté de leur traitement, des hommes réduits en esclavage par d'autres hommes. nous nous souvenons de cette période sombre de l'histoire. Antoine de Saint-Exupéry disait On ne bâtit rien sur l'esclavage sinon des révoltes d'esclaves. Ce funeste souvenir nous donne l'ardeur et la conviction que nous devons bâtir un monde juste, humain, respectueux de tous. Et je voudrais, à cette occasion, saluer le travail remarquable des associations grenobloises qui, par leur mobilisation, font vivre la mémoire, œuvrent pour l'égalité tout au long de l'année. Leur travail inlassable de rappel de notre histoire et de nos valeurs communes est nécessaire et salutaire. Le 10 mai est aussi la date d'une victoire, une victoire de l'humanisme et des valeurs de justice et de liberté. En ce jour, nous célébrons l'inscription dans nos lois de la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité. En ce jour, nous faisons corps, nous réaffirmons que nul ne peut être asservi, que nul ne peut posséder l'autre que les humains sont égaux, de la naissance à la mort. Aujourd'hui encore, dans nos sociétés, les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais les inégalités persistent, l'injustice demeure. Trop de nos concitoyens sont encore victimes d'un racisme qui fait encore son nid jusque dans certaines de nos institutions républicaines, lorsque l'on considère que le prénom Corinne est supérieur au prénom Absatou. Lorsque l'on dit que l'objectif de l'esclavage était de maintenir les esclaves en bonne santé, lorsqu'on traite l'un d'entre nous de bico, c'est l'humanité tout entière que l'on atteint. La lutte pour l'émancipation n'est jamais achevée. L'égalité, la justice et le respect de tous sont des valeurs que nous continuerons à défendre sans concession. Ce jour du 10 mai nous rappelle l'importance de nos actions en faveur de l'émancipation et de l'égalité, quelle que soit notre origine ou notre couleur de peau, quel que soit notre nom ou lieu où nous sommes nés. Il nous rappelle que nous ne devons céder aucun terrain à l'intolérance, à l'injustice et à la violence. Il nous rappelle les enseignements de ce passé cruel. Il nous rappelle que nous sommes des femmes et des hommes, membres d'une même communauté humaine où nul ne peut se dire libre si un autre est asservi. Je vous remercie.